Debout, 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 il faut se lever. 8h pile sur la chaîne d'Ebeni, je vous l'avais dit en début de 2016, interdit désormais pour un chrétien de dormir jusqu'à 8h. C'est impossible. Le chrétien doit se réveiller tôt, avant même le lever du jour ou le lever du soleil. Déjà, tu dois être debout. Et sur la chaîne d'Ebeni, nous avons mis un programme spécial qui va te permettre d'entrer chaque jour dans ta journée avec beaucoup de punch, mais surtout avec une journée très garantie sur le coup de 5h30 avec le pasteur Kwasi Victor qui vous introduit dans une prière intense avec prier sans cesse. Cette émission qui fait parler d'elle-même hein, sur la chaîne d'Ebeni. Et bien sûr, juste après prier sans cesse, vous avez des clips qui vous sont donnés. Et puis, sur le coup de 8h, l'espace annonce s'installe avec bien sûr Ruth Kofi et toute son équipe qui vous dit un grand bonjour et vous souhaite encore une fois la bienvenue à cette émission Matin d'Afrique. Alors, pour ce mercredi, je suis en compagnie de mon très cher pasteur prédicateur d'Ebeni. Très heureux de te retrouver sur ton plateau si prestigieux. Moi, pareillement, ça fait longtemps. There's a long time, comme les Anglais. Le prédicateur de prière était où? Alors, première chose, tu viens, papa. Il fallait se retirer. D'accord. Nous avons pris le temps de nous retirer. C'est deuxième important. Chose, il y avait le cadre professionnel, le cadre spirituel, des voyages et des missions. Mais là, nous sommes de retour pour le grand plaisir de nos chers téléspectateurs. Que Dieu les bénisse. Amen. En tout cas, bonne année à toi. Bonne année 2016. Vraiment à toi. Que Dieu bénisse ton ministère, bénisse ta famille. Amen, et que cette année soit réellement une année où Dieu étendra tes limites. Amen. Et véritablement, je te réitère aussi les vœux, les meilleurs. Parce que tu as besoin véritablement de reconnaissance. Parce que amen. Tu as fait beaucoup depuis 2014-2015. Tu as apporté beaucoup à cette chaîne. Amen. Et je crois que le temps est venu que tu sois davantage élevé. Alléluia. Que ce sera le cas. Amen. Nous profitons de l'occasion pour adresser aussi nos vœux les meilleurs à la direction générale, à nos deux parents, leaders, c'est-à-dire le couple dirigeant, pasteur Sam et Sylviane. Et nous pensons que la grâce de Dieu surabondera aussi dans leur ministère. Amen. Le prédicateur des prix est de retour parmi nous. Et avec lui, bien sûr, hein, ce matin, on va faire la prière. Hein. Certainement que tu étais très pressé lorsque tu partais au travail. Tu as oublié de dire merci au Seigneur. On va rattraper tout cela. Tu es devant ton petit déjeuner. Tu n'as pas encore prié. Ce n'est pas bon du tout. Il ne faut surtout pas oublier. Prier, même en une minute, en deux minutes, tu as fait la prière. Mais il faut quand même, lorsque tu te lèves le matin et que tu as le souffle de vie, c'est un grand miracle. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe pendant que tu es en train de dormir, mais Dieu te fait toujours la grâce de pouvoir ouvrir les yeux et voir un être cher auprès de toi. Pour certains, un mari, pour certains, une femme, pour certains, des enfants, voir le sourire de toutes ces personnes-là, c'est une très grande grâce. Alors pour cela, juste un merci suffira. Donc avec le prédicateur des prix, on va faire la prière hein, pour vous, pour la journée, et puis on va continuer cette émission. C'est vraiment un privilège et oui. Ça dénote de l'absence de l'égoïsme dans ta vie. Parce que tu es en direct. Amen. Et profite à la multitude. Oui. Que Dieu te bénisse. Père, nous te rendons infiniment gloire et grâce. Je veux prier pour quelqu'un qui me regarde ce matin, qui a besoin d'une bonne parole, qui a besoin que son cœur soit réjoui, éternel roi des rois. Nous sommes heureux, éternel, de te servir. Touche les cœurs des uns et des autres, afin que ceux qui manquent, éternel, de bonne santé, Seigneur Dieu, recouvre la santé. Que ceux qui ont besoin de moyens financiers, éternel, puissent les avoir. Que ceux qui ont besoin d'intelligence et de sagesse puissent les expérimenter. Que cette émission ait un impact positif, Seigneur Dieu, dans la multitude, afin que nous reformatons les cœurs, pour que la grâce du Seigneur soit mise en avant dans tout ce que nous faisons et que cela profite, Seigneur Dieu, à la société. Oui, voilà ce à quoi Christ nous appelle, la propagation de l'amour dans le cœur des uns et des autres. Béni sois-tu parce que tu nous accompagnes, béni sois-tu parce que tu opères des miracles, et cela pour la gloire de ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Dites Amen chez vous. Voilà. Nous partons à présent avec un très très beau clip et puis nous revenons sur notre plateau. C'est parti. De gloire face. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voici le roi de gloire. Esprit, ne te viens. Esprit.
c'est l'heure, c'est l'heure, oh. Notre plateau, je voudrais faire un gros coucou à Maman Léo du côté de Yopougon. Maman Léo et à toute sa famille qui suit Matin d'Afrique chaque jour. Maman, merci beaucoup d'être avec nous et puis je te souhaite de passer une agréable journée. Mais reste connecté à la chaîne des Bénis, prédicateur des prix. Ce matin, nous parlons de quoi? Ben, ce matin, nous allons parler du thème suivant. Le Père à travers le Christ. D'accord. Le Père à travers le Christ. Le but, c'est de montrer que celui que Jésus-Christ est venu révéler à l'humanité est quelque chose de bon, quelque chose d'agréable, d'expérimentable. Et nous pensons qu'à l'issue de cette étude, les uns et les autres pourront juger par eux-mêmes et avoir la bonne conduite. Donc, notre thème est basé sur le livre de Jean, précisément son chapitre 14 et au verset 9, où il est dit ceci. Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment donc dis-tu, montre-nous le Père? Maman Ruth, c'est une assertion que nous avons tous expérimentée, déjà depuis notre jeunesse, on connaît plus ou moins ces passages. Et les uns et les autres ont déjà lu ces passages. Mais ce que je veux relever ici, c'est au moins quatre points majeurs qui peuvent être utiles pour la vie de chacun de nous, dans notre quotidien. Parce que le but aussi de la parole de Dieu, c'est de pouvoir appliquer à notre vécu. Alors, la section qui dit « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Vous voyez, je pars d'un constat. Les disciples étaient dans la proximité du Christ. Ils bénéficiaient d'un certain enseignement. Mais au fil des jours, nous avions l'impression, c'est juste un constat que nous faisons, que ces personnes n'arrivaient pas à assimiler correctement les enseignements du Christ. Puisque cette question intervient au 14e chapitre qui marque déjà un déroulement depuis le chapitre 1 dans les enseignements du Christ. Je ne dirais pas que ces personnes n'ont rien compris, mais ça n'est pas loin. Ça n'est pas loin, ne nous voilons pas la face. Christ avait pour mission d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Voilà pourquoi ce qu'il a dit dans le chapitre 14, il a parfait cela dans le chapitre 17. Là où il a conclu en disant que tu me l'as confié, je leur ai tout appris, ils ont tout connu. Donc, l'égoïsme de l'être humain le ramène toujours à sa personne. Philippe dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Dans le chapitre 9, Pierre qui dit à la transfiguration, eh bien, si nous sommes dans un endroit aussi glorieux, dressons des tentes et restons-y afin que nous puissions demeurer ici.
tout à l'heure, quand vous avez dit prier à l'antenne, j'ai dit, vous n'êtes pas égoïste. Parce que la nature égoïste de l'être humain le cantonne dans, dans une certaine prison. Il ne s'en rend pas compte. Mais c'est comme ça que la sorcellerie fonctionne. Donc, nous disons que Jésus-Christ est venu pour nous enseigner et il est bon que cet enseignement soit aussi le partage de la multitude. D'accord. De plusieurs. Sinon, ça ne sert à rien. Que plusieurs puissent en bénéficier. En profiter, en D'accord. bénéficier. Et ces disciples, certainement, ils commençaient à se lasser des enseignements de Jésus. Voilà pourquoi de telles pensées leur venaient. Mais ils se cantonnaient dans l'aspect miracle de Jésus. Quand Jésus rentrait dans l'aspect théorique, dans l'aspect apprentissage, ils étaient tout de suite, ils déclinaient. Mais ils étaient tout de suite moins motivés. Pour preuve, en off tout à l'heure, j'ai posé la question, quel est l'apôtre qui a réussi à faire après Jésus la multiplication des pains? On a tous convenu que personne. Mais parce que il aurait été ingénieux que ce jour-là, quelqu'un ait pris cette compétence de multiplication des pains qui serait nécessaire aujourd'hui. Voilà un des avantages à bénéficier des enseignements de Jésus-Christ. C'est vrai qu'ils ont fait des miracles de guérison, mais pourquoi ce mystère de la multiplication des pains n'a pas été évident? Je veux dire à quelqu'un qui me suit que l'avantage que tu as eu à connaître le Seigneur Jésus-Christ doit être profitable à tous. Autrement dit, la vie que tu as donnée, que tu as offerte à Dieu, doit avoir un reflet sur l'environnement dans lequel tu vis. Nous devons apprendre à être des modèles de vie. Voilà le sens de la marche chrétienne. Voilà pourquoi le nouveau commandement n'est rien d'autre que l'amour. Et en deuxième point, il dit, il y a aussi longtemps que je suis avec vous. Vous voyez, maman Ruth Kofi, on a souvent coutume de dire que montrer de l'intérêt à quelque chose nous emmène à nous parfaire dans la chose. Si vous ne montrez pas de l'intérêt à une science, à une discipline, à une activité, il va sans dire que vous ne ferez pas d'efforts dans la phase d'apprentissage. Or, l'être humain, l'individu, doit toujours fournir des efforts, quel que soit le domaine d'activité dans lequel il intervient. Toi qui me regardes, dis-toi que tout passe par l'effort. Et Jésus-Christ communiquait cela à ses disciples. Mais ils vont le corriger plus tard. Quand vous allez suivre dans les chapitres suivants, les disciples vont se rattraper jusqu'à Actes des Apôtres où Pierre, qui était de nature fougueuse, mais taciturne par derrière, va évangéliser plus de 5000 individus. Donc vous voyez que ça a eu un impact. Et je veux dire que lorsque vous montrez de l'intérêt dans l'endroit là où vous évoluez, vous êtes obligé de vous perfectionner. Et ça, c'est très important pour ceux qui nous regardent ce matin. Il va plus loin, il dit, tu ne m'as pas connu. Maman Ruth, il existe des fois où dans des couples, les individus ne se connaissent pas, les conjoints ne se connaissent pas, ils ne prennent pas le temps de découvrir qu'est-ce que l'autre aime, qu'est-ce que l'autre n'aime pas, et ça crée des clashs, ça crée des conflits. Je vais vous dire une chose, quand vous êtes dans un camp, pour une situation donnée, vous vous retrouvez dans un endroit particulier. L'apôtre Pierre nous dit, travaillez avec des patrons, même s'ils sont d'un caractère mauvais, rude, dur. Il vous appartient de vous adapter. Donc la capacité d'adaptation est du ressort du chrétien, est du ressort de l'enfant de Dieu. Et Jésus-Christ, il s'étonne que depuis tout ce temps, ces personnes étaient avec lui, mais ces personnes ne l'ont pas connu. S'il y a quelque part une petite déception, même s'il ne le dit pas, il est plus ou moins déçu. Voilà pourquoi il redouble d'efforts dans l'enseignement à partir du chapitre 15, 16 et 17. Et il conclut. Donc je veux dire à quelqu'un, si Dieu a permis ta proximité avec un individu, avec un leader, avec une personne, quelle qu'elle soit, prends le temps de découvrir la personne. Prends le temps de savoir qu'est-ce que cette personne aime et qu'est-ce que cette personne n'aime pas. C'est dans tout ton intérêt d'ailleurs. Parce que l'être humain, the salvation, c'est-à-dire le secours peut venir de la part d'un individu auquel vous ne vous y attendez même pas. Et si cette personne est entrée dans votre proximité, il est bon que vous puissiez découvrir cette personne. Il va plus loin dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Le reflet de ce Père n'est rien d'autre que le reflet de l'amour. Jésus-Christ l'a dit, il dit, faites et enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Autrement dit, il n'y a rien à déformer, il n'y a rien à tordre, il n'y a rien à modifier, il n'y a aucun commentaire à faire. Le but, c'est de faire du copier-coller, vivre comme Christ.
On me dira, c'est difficile, oui, il n'a pas de ceci. Lui, il est Dieu, il a de la nature divine, mais il aurait pu rester dans sa nature divine et puis nous donner des instructions. Il a décidé de venir homme pour nous prouver qu'en tant qu'homme, nous pouvons le faire. Et ça, si on ne s'impose pas ce genre de défi, nous resterons des chrétiens mous. D'accord. Et qui dit chrétien mou parle de chrétien vulnérable. Donc, maman Ruth Kofi, pour ne pas faire long ce matin, nous pensons qu'en conclusion, nous pouvons dire que nul ne peut voir Dieu et vivre. Et cette personne n'était pas ignorante de ses assertions, n'était pas ignorante de ses affirmations. Mais elles ont quand même désiré voir Dieu. Elle dit, mais nul ne peut me voir et vivre. Donc, à partir de ce moment, on choisit maintenant l'image qui est visible, qui est tangible, qu'on peut toucher, qui est Christ. Alors, pourquoi faire compliqué là où on peut faire simple? Jésus-Christ nous a montré le modèle. Il est bon que chacun de nous puissions rentrer dans ses pas. Et un peu pour 2016, nous dirons qu'il est bon que la croissance spirituelle nous serve à impacter positivement l'environnement dans lequel nous vivons et à laisser des traces de réputation semblables à des parfums de bonne odeur. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Donc, semblable à des parfums de bonne odeur, aujourd'hui, le chrétien doit retenir ce qu'il doit retenir en résumé, prédicateur des En résumé, c'est que vraiment, il faut marcher à l'image de Christ, qui est le reflet du Père. Il faut essayer au moins, pour ceux qui pensent que c'est carrément impossible. Il faut toujours essayer. Merci infiniment, prédicateur. Restez béni. D'être passé sur notre plateau et puis on espère que tu ne vas pas disparaître à nouveau. Non, je ferai tout pour être là. Oui, il faut que tu sois là. Les téléspectateurs ont besoin. Amen. Merci infiniment, amen. Papa. Puis bien de choses à ta famille. Et merci, puis quant à nous, nous avons un invité concernant la direction commerciale et marketing. Annonceur, nous vous attendons toujours et massivement sur la chaîne des bénis. Vous avez des plateaux pour vous recevoir. Matin d'Afrique, vous avez Midi d'Afrique, vous avez également Entretien. Tout cela, c'est pour vous. Donc, venez, on sera ravis d'être avec vous pour aujourd'hui un invité. Donc avant juste de recevoir notre invité, nous partons encore une fois en musique. Mi tango.
prophétise sur ta destinée. Allez, un invité, je l'avais annoncé, je suis en compagnie de Madame Kouassi et avec elle nous parlons bien sûr hein, de missionnaire de vie. C'est une grande veillée de prière hein, depuis la semaine dernière déjà, on en parle, on en reparle du côté de Divo et elle est sur mon plateau justement pour en parler. Bonjour Madame Kouassi. Bonjour Madame Kouassi. Bienvenue sur Merci. Le plateau. Missionnaire de vie se déplace du côté de Divo. Oui. Bonjour à vous, très chers téléspectateurs. Je suis là ce matin pour vous parler du programme qu'organisent les missionnaires de vie. Nous sommes une équipe de serviteurs et de servantes de Dieu. Et l'objectif de cette structure, c'est d'aller vers vous qui avez besoin de Jésus-Christ. Et le vendredi 12 février 2016, nous serons du côté de Divo, au centre culturel de Divo, pour une veillée de prière, de délivrance et d'impact. Et le thème, c'est libérer pour être utile. Libérer pour être utile. J'allais rebondir sur ce que vous avez dit, mais allez-y, hein. Libérer pour être utile. Libérer pour être utile. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas libre, il se cherche, comme on dirait en bon ivoirien. Mais quand on est libre, quand on a la joie dans le cœur, quand on a l'esprit tranquille, on peut penser à quelqu'un d'autre autour de nous. Et on a un exemple dans la Bible qui nous parle de l'histoire d'un homme qui était fou. Le fou de Gadara. Et la Bible dit que cet homme vivait dans un territoire éloigné. Il habitait au milieu de cimetières. Normalement, si on dit à quelqu'un, faut aller dans un cimetière, il va dire, mon ami, tu ne m'aimes pas. Mais lui, c'est là-bas qu'il vivait. Pourquoi? Parce qu'il était enchaîné par des démons. Il était sous un joug. Et cet homme-là était totalement coupé du monde. Nous tous ici, quand on voit quelque part, on va quelque part et qu'on est en train de voir un fou venir dans la direction opposée, pour les plus courageux, ils vont rester sur la même voie. Mais tous les autres vont traverser s'ils le peuvent. Et cet homme-là était comme ça, dans cette situation. Beaucoup de personnes avaient peur de s'approcher de lui. D'autres ne le considéraient pas. Il n'était pas utile parce qu'il était quelque part sous une domination, dans des chaînes. Il a fallu que Jésus-Christ vienne un jour sur ce territoire pour que cet homme qui était coupé du monde, qui n'avait pratiquement plus de famille, ait à nouveau un statut dans la société. Et quand Jésus-Christ est apparu, il a brisé les chaînes de cet homme. Et la Bible dit, quand tout le monde est venu pour voir cet homme, ils ont vu que l'homme était assis et il était dans son bon sens, il était vêtu. Ce qui signifie qu'auparavant, il était nu. Alors que normalement, un être humain normal ne serait pas en train de se promener nu. Vous voyez? Donc voici un peu l'image de quelqu'un qui n'est pas libre. Et la Bible dit que Jésus-Christ, qui est le Fils, est venu pour que nous soyons affranchis. Et cette Bible-là dit que si le Fils t'affranchit, toi qui me regardes, tu seras réellement libre. Il y a liberté et il y a liberté. Tu peux être quelque part en train de vivre une vie, comme certains le disent, non, moi j'ai beaucoup de copines, j'ai beaucoup de femmes ici, j'ai beaucoup de maris. Pour eux, c'est la liberté. Mais laisse-moi te dire que la véritable liberté se trouve en Jésus-Christ seul. C'est pourquoi je t'invite ce vendredi 12 février 2016, à partir de 21h au Centre culturel de Divo. Sois là et le Seigneur te bénira certainement. Et les orateurs concernant cette grande veillée de prière? Les orateurs, nous avons le prophète Hiro Joël, le révérend Togi et un serviteur de Dieu que j'apprécie beaucoup, le révérend Benoît Kouassi. Ils seront là pour vous faire du bien parce que le Seigneur a sa grâce dans leur vie. Merci beaucoup, Maman Kouassi, d'être passé sur notre plateau pour annoncer cette grande idée de prière, de délivrance et d'impact qui va se passer à Divo, je rappelle, le 12 février prochain, donc le vendredi prochain, sur le coup de, le vendredi suivant prochain, sur le coup de 21h, 21h à l'aube au centre culturel de Divo. On va laisser à présent les contacts ou un dernier appel à lancer. Un dernier appel à lancer, mais cette fois-ci, ce sera pour ceux qui ne parlent pas français, qui ne comprennent pas français. Je veux parler à mes amis anglophones. If you are watching me now on TV, let me tell you that we are having a program on Divo, in the town of Divo. It will take place on the 12th of February 2016, and I hope you will be there. The theme of this program is delivered to be useful. Unless you are delivered, you cannot be useful. So come
come on and meet you there, and God will surely bless you. Les contacts? Les contacts maintenant, nous avons le 58 73 59 74, 58 73 59 74, ou encore le 78 37 52 78. 78 37 52 78. Précédé du 00225. Merci infiniment au Mwankwasi d'être passé sur notre plateau. Merci. Et puis pour toute autre information, le numéro s'affiche comme elle l'a dit, hein, elle a bien répété. 00225 58 73 59 74. 00225 78 37 52 78. Le programme est pour le vendredi suivant prochain, le 12 février précisément, du côté du centre culturel de Divo. C'est un programme de délivrance d'impact pour la ville de Divo, l'heure 21h à l'aubre. Merci infiniment. Passez une agréable journée, maman. Merci. Et puis c'est avec vous que j'achève cette émission de Matin d'Afrique. Merci infiniment à vous. On vous souhaite de passer une agréable journée et que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. À demain. Soyez bénis. Nous sommes le groupe Eden. Que cette année 2016 soit pour vous une année de grâce, d'abondance et d'excellence dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, votre groupe Eden est nommé au Cora Award 2016 dans la catégorie meilleur groupe spirituel. Pour gagner, il faut voter. Pour voter, c'est très simple. Envoyez par SMS Cora 102 au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Cora 102 est le code du groupe Eden. Nous comptons sur vous. Votez massivement. Soyez bénis.